وثيدي دي تولي انت كيسان كاس نقض وغالد سوطون مينوث السكيه نصبا وشين دو جنفر سيوث انت واسن دكتور سعيد سعدي البند نسميكتي 63 سكوزن سكوزمين انغان عبان ارمضان يشوف الديو انت واس السكيه مسمى عبان نار بومدين عبان بومدين انا واحد تدنس قرضش كيكين نكذ كامل لامباغيان كيكين روح كان سيريت سكسيرا مزوارون اكمال ذا كان غادي نيض ايوا شو دكتور سعيد سعدي اختار ازول لكن عبان ابو مدين زود رشيد زود كران دي تولان جوستمون تواس نيتي خمسة سعيد سعدي 27 ديسمبر نسمى عبان ابو مدين سي اون مانيير ان بتي بو دو دير بلي الجزائر واسا الي على كروازي دي شومان او بيان دي ناوي ليسبري et la vision d'Aben, ou bien, c'est-à-dire la référence et le congrès de la Soumam, les résolutions de, on peut dire, de la formation de l'État algérien sous la forme contemporaine, et de Jehanneton, ou bien on va continuer à gérer le pays sous l'esprit, on peut dire, de la vision de Boumdien après le coup d'État. On peut dire contre Jupéré après l'indépendance, et même ça remonte même à partir du coup d'État, on peut dire, contre le congrès de la Soumam en 1957 et son assassinat justement le 27 décembre 1957, année justement on a mis fin, on peut dire, au projet d'Aben, mais il a ressurgi depuis justement février 2019, l'esprit d'Aben revient et revendiqué même par une population. Donc, Chabi Fraud, l'esprit de la Soumam, il est revendiqué par un peuple depuis justement février 2019. Ani Talab l'état civil et non militaire, et c'est l'une des résolutions du congrès de la Soumam, la primauté du civil sur le militaire. Et donc, c'est comme si tout ça, ça. Il a choisi ce titre, Aben ou Boumdien, Amédil Zer, tout le monde, il est vraiment vers une alternative démocratique. Il a dit qu'il a fait un livre, Aben, Dimdoukalis, lors du congrès de la Soumam. Donc, c'est un petit peu les deux options. Ani Assa et Widiouen, selon Saïd Sadi, après une distanciation, de bien réfléchir, on peut dire de manière froide, et de faire des propositions ou qu'un thème de l'Zaïr justement à fort l'impasse historique ne taïche ça. Donc il fallait du ça ça dit voilà bli il a qu'il y ait un divdu y un ou un qu'un derse ilougan un tugdous et diawi y un justement abri de des souffres l'Zaïr que le mahnan là. Donc et ou ça ça dit voilà bli tout dépend أمشي نسعو في مغلي وكنا نسفهم يون لسين بوليتيك دونك أنرن سرتيب نيلان كمورت الجزائر لكن رشيد سوماتا ذا شو زمان درا في ريتي اي وسقسيك نعم زوالو الميثا كما لا سقسي وسين دكتور سعيد سعدي اللي توا سكين مسلايد غاف توغالين النزار ثبوت أكذا غني هذا سرح جنرال توفيق ذا شو تغوين سفين كي دينا دكتور سعيد سعدي فيس فونش تكي سعيد سعدي جو سمو يمسليد فين عمان ثم قليت مورث جنرال زار يتوليد بلي يميدي العجايب سدريقا يتوليد بلي ستار روتور دي فاسون ميستيريوز سدريس نعاج un mec de cette facilité-là, il dit normal alors qu'il a été condamné, ou d'un tel Jehanneton, il jouait justement avec la révision du procès, un Jérôme Dion, Wahid, Terbath, ou d'un Nilan, Nilan Ikshmen Gilhabs, il n'est pas l'issue à dire, justement, la mystérieuse, c'est-à-dire, question, c'est-à-dire, أمشي فور نامشي دي فور جنرال نزار غير داغنت بلي انك سابرو بلي سادير سي كوم قايد صلاح الى في اكسوني لا جوستيس يوكن
il va éliminer ses adversaires, il va disgeler Adonis, et il va garantir de la même docilité, c'est comme si la justice va aussi, en quelque sorte, recevoir des injonctions, la justice téléphone, ils vont se mettre dans la même docilité devant de nouvelles instructions. Donc, la justice n'est pas indépendante. Donc, il faut s'attendre à ce que, avec cette opacité, relancer justement la violence qui risque de séduire justement les délégués pour pouvoir peser sur les événements et ils attendent l'occasion. On peut dire des revirements et créer un climat de confusion. Donc, Saïd Sadil s'est posé des questions sur, on peut dire, ce remaniement et cette régénérescence et ces récompositions claniques, surtout avec justement l'absence de Boone. Donc, il peut y avoir des rééquilibrages, des luttes intestines pour pouvoir justement un clan peut revenir parce que le clan de Gaïd Salah, il va être décimé totalement. Et donc, c'est un petit peu la reprise d'un autre clan se reconstituer pour s'imposer. Aka Rachid, غاني دكتور سعيد صديق شخصي وسلاته كمال لكن مسليد في اسم سيناريوثن يقلن كي فين كوين تولي كوم مانوفر داخل سيناريو للريجيم الجزائر او يفنى دينا غاني ذاشوتن استمنن كي لي بروبوزيسيون توافق انت تزغنت كي لا كي l'Algérie. Donc, M. Vatidina Francis, quel scénario possible décrit par Dr. Saïd Sadis sur ton dernière manœuvre au sein du Sérail du régime et quelles sont les propositions de sortie de cette impasse historique? Saïd Sadis, il voulait dire, on peut dire, il y a deux grands scénarios. Ça soit Winnie Len, Ishoud et la rotation clanique, donc l'alternance clanique et le système de Kim Dwin à travers justement les manœuvres, ni l'un de rééquilibrage au niveau du système. Donc, il faudra que nous allons vers une apparence de pouvoir qui sera cependant difficile de maquiller. Dans l'unité de Brunza, mais soit disant d'induire les citoyens, donc, Chab, Sartan, et Wokin Zama, Adelin, Yuan Swayot, oui, et Dawin, on peut dire une apparence d'un pouvoir. Il faudra que nous allons nous maquiller, et nous allons Sartan. الشعب قالك دوبوي 57 اون قالك عميد البعض جزلا دوكدو دونك دي فالور ديموكراتيك ونيغ زعما الريسبي دو لا كونستيتيوشن ديرا قالك نوني لا ليجيتيميتي نسن كسناديت ديال الباتريمون كوما اون بو دير دو ساكريفيس دي بوبل الجزائريان ان باغ اكزومبل لا غير 54-62 il a été récupéré par des imposteurs après l'indépendance. Et oui, justement avant, il a même bradé l'aspect symbolique. Ça veut dire, il tourne, on peut dire, ça soit de la mauvaise gestion, ça soit la corruption, tout ça. Et oui, net avant, malheureusement, l'aspect symbolique aussi, il a été touché. Le fait que même Gaïd Salah, il a été enterré à El Alia, alors que c'est un officier qui aurait dû être radié. Il y a une quinzaine d'années auparavant, et c'est en quelque sorte une atteinte, on peut dire, à l'aspect symbolique de la nation algérienne. Ou Ined Beli, justement, par rapport à cette alternance clanique, Ined Beli, ou il est ni l'un des anciens, ou il est le gouverneur de l'Afrique al-Hamra, Ined Beli, il est ni l'un des tasses, Tfna Abbot Nsan, Trajan, Ibn Edimil. وحري يمكن ذاك ديدس سادير تورات نجا باغ اكزومبل فيك الروتور دو نزار دو توفيق دو اكسيترا ينات بلي ويلك ينات طن تراجان خاطر يتور دو كيتوريلان دان كايد صلاح كان بوتفليقه دو بلاك الدويره ينات دا سابلي تفنع بوت نسن تراجان ايواني دي ميل ايواني دي ميل بوفوار مودي ويل بوفوار ولكن هاد دون ديفيس خاطر سي با دي زوم دو برينسيپ سي با دي جون نتور لانتيريت مورت
juste c'est des gens qui cherchent leur intérêt personnel. Et oui, net d'arrêt, c'est-à-dire un scénario de changement, il est difficile, parce que nous avons un logiciel qui ne peut pas s'adapter aux nouvelles données. Oui, les Nilens juste dans leur intérêt personnellement et leur vision, leur mode de fonctionnement même, et ils ne peuvent pas s'adapter au changement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Saïd Saadi, l'une de ses les trois propositions, grandes idées qu'il a proposées, sur un plan symbolique, il n'est dit là le déplacement de la dépouille de Gaïd Salah, et Karak, c'est même une proposition Chab, c'est-à-dire Chab et Talab, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être enterré Glalia, à Khatar, ou une île en fraude, Miguel Agdouz, enfin de Talab, ou une aide la libération et le dédommagement de tous les détenus d'opinion. Donc, il a dit qu'ils vont les dédommager par rapport aux dégâts causé sur un plan psychologique et même matériel, tout ça, oui, Nadarant, l'annoncer, il faut annoncer sérieusement une initiative forte sur le plan même de la scène nord-africaine en rupture avec les rigidités politiciennes, c'est-à-dire les anciens réflexes du système, et oui, Diwen, pour y aller vers annoncer un changement sur un plan doctrinal, donc de vision, et Wahid, s'adapter à la stratégie, on peut dire, par rapport à la question. Régional. Donc, même le bondianisme, il y a des gens qui sont intoxiqués par par la vision et la ruse de bondien. Justement, dans leur imaginaire, là, ils croyaient réellement au fond bondien, il était un grand homme d'État alors qu'il n'était qu'un dictateur. Donc, oui, fait d'un dias, ça justement, il n'est de la visite d'un collaborateur de Poutine à la rouscouse du régime algérien par rapport, soit disons, à la nouvelle alliance américaine et marocaine. Et oui, parce que nous parlons du régime algérien, tension dans l'illusion d'un monde bipolaire. Et d'ailleurs, même, on se pose la question sur le choix du médicament Spoutnik, donc le médicament des Russes. Est-ce que vraiment c'est un choix scientifique bien étudié? Ou bien ce sont des injonctions du pouvoir du militaire. Donc, parce que la quasi-totalité du matériel militaire, ils sont achetés de la Russie. Donc, c'est une manière un petit peu d'appeler aux rescousses pour protéger le régime algérien. Donc, c'est pour ça que ça a parlé même de désarmement, c'est-à-dire de la situation actuelle, le désarmement moral, le démembrement clanique, l'assèchement financier, il rend inéluctable, obligé pour arrêter cette gabegie, arrêter cette catastrophe de gestion, d'une gestion catastrophique. Oui, des choses d'une autre possibilité d'arracher notre scénario, qui est réellement l'alternative, et Karak, c'est justement Agdoud Nelzayer, Agdoud Nilan. Il a une forte débrouille d'ailleurs le cas de Yougdouz d'ailleurs Fouzer Fénis ils ont pris conscience que les marches il y a le dor donc chaque semaine il y a le semaine on a pris conscience réellement à temps les marches électriques sont insuffisantes donc ils ne peuvent pas vraiment renverser le régime, ce n'est qu'une option, mais on a raté l'occasion, surtout pour la question de la désobéissance civile. Donc, c'est pour ça que, justement, absence d'organisation, le fait de ne pas montrer, faire des propositions sérieuses, de s'organiser et de faire émerger, on peut dire, une instance qui pourrait gérer cette révolution et faire émerger, on peut dire, une certaine organisation et des compétences qui peuvent rassurer le peuple algérien avec adresser la confiance. Et Nedbli, malheureusement, on n'a pas pu faire ça pour réellement, au fond, traduire ce changement radical aspiré par le peuple algérien. Et donc, il n'est pas le fait l'absence de cette
on peut dire, émergence de cette organisation, et des propositions sérieuses, il était une source d'inquiétude. Voilà, donc c'est pour ça qu'Arachid se soumettait, pour résumer, ça détruit deux scénarios. Ou bien l'interférence clanique, parce qu'on n'a pas pu réellement, au fond, créer un véritable rapport de force pour imposer une transition démocratique, un changement. Et ça m'a détendu, c'est là justement cette voie-là du peuple, et c'est la seule qui pourrait justement créer cet espoir-là et d'y aller vers une alternative démocratique en organisant une transition démocratique. Voilà, Rachid Perret aussi. Est-ce que si vous savez, Kamel, avec Saïd Saïd, il faut que vous avez dit 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 que quelles sont les raisons essentielles pour empêcher de faire émerger une alternative démocratique. Justement, pour résumer, Arachid, l'idée déjà, parce que déjà, un petit peu, j'ai introduit des points techniques déjà, ça dit, le fait de refuser et d'assumer la désobéissance civile, à un certain moment, Annie, à Moussou, il est écoué, et net, justement, on a raté, on peut dire, l'occasion réellement de créer ce rapport de Fourlaza et de s'imposer et d'y aller vers une transition démocratique. Et donc, il net, l'incapacité de donner une image, de faire délivrer un message bien clair de cette mobilisation inédite fut décodée par le pouvoir. Mais Mme Boukitouel, le fait, justement, il n'y a pas ce courage-là d'y aller de l'avant. Est décodé même par le pouvoir et par l'opinion même internationale, c'est, on peut dire, traduit cette impossibilité d'y aller faire émerger cette alternative justement au régime à partir de cette insurrection. Donc, c'est pour ça que justement, l'opposition, malheureusement, il devait faire la foule au lieu de s'assumer et de jouer son rôle de l'élite et de traduire les aspirations du peuple et de l'orienter dans le bon sens. Nous, il devait s'inscrire dans une perspective, dans une posture, on peut dire électoraliste, la foule, et il refuse, il joue le populisme, et il refuse réellement, au fond, de jouer le rôle pour justement proposer, faire des propositions sérieuses, à part une aide, quelques propositions théoriquement structurées, et que l'opposition réellement au fond, il n'a pas pu réellement au fond mesurer, comprendre, stimuler, donner un sens des perspectives aux aspirations du peuple réellement au fond dans une dynamique émancipatrice citoyenne. Donc c'est pour ça qu'il y a justement cette acéphalie, c'est-à-dire l'absence de tête, d'ailleurs, c'est acéphalie dans le sens, le premier sens, c'est un petit peu les animaux nous les accroient, hein, l'absence de tête. Certaines espèces animales, donc, ils n'ont pas de tête. Donc, c'est acéphalie, c'est-à-dire parce que c'est un mouvement, nous les accroient, et qui empêche justement cette transition démocratique. Et même dans des conditions idéales, quand on a la pandémie, il y a tout est là, en condition, et malheureusement, cette opposition n'était pas capable de transformer le rejet en projet. C'est-à-dire un hélène comme rejet du peuple algérien pour demander notre système, pour pouvoir proposer justement un projet. Ils ont échoué dans cette entreprise-là pour traduire le rejet en projet. Donc, un hélène le rejet du système, il n'y a pas eu donc pour critiquer, pour lancer de la polémique par rapport à ça, car c'est un constat réel, les cadres, les méthodes, donc c'est le cadre d'organisation, les méthodes, malheureusement, objectivement, ils sont dépassés, et qu'on est arrivé à un cycle historique, à la fin d'un cycle historique. Donc, c'est pour ça qu'il fallait réfléchir à d'autres stratégies, à d'autres méthodes de lutte pour pouvoir réellement traduire les aspirations du peuple. Est-ce que vous voulez dire, Mathiamel, dans toute ça, qualifie le système de réfractaire à l'ouverture de la frilosité, qui veut dire timidité, d'une opposition sclérosée
qui n'évolue pas maintenant. Oui, il faut savoir que maintenant pour une équipe qui dit docteur Saïd, d'ailleurs, c'est aussi d'où vient la solution de Stephen F. Rohan Saïd Sadi. Justement, Rachid Saïd Sadi, il a analysé un petit peu la situation et il critique le système et en même temps l'opposition qui était incapable réellement au fond de se proposer comme étant une alternative. Donc, il paraît que le système réfractaire à l'ouverture, donc vous nous l'aurez il dit qu'il dit au Fifret, il revient de mort, il y a un temps de l'opposition justement sclérosée, qui n'évolue pas, qui ne s'adapte pas, qui on peut dire stagné dans ses anciennes méthodes et réflexes. Et donc, Saïd Sadi, justement, il ne reste qu'une émergence du populaire qui va justement se réveiller sous d'autres formes, même s'il ne va pas être exprimé tel qu'il a été exprimé dès le début de les marches février 2019, mais il n'est que toutes les hypothèses aussi sont ouvertes. C'est-à-dire, cela dépend de la conjoncture, cela dépend à partir de ces accumulations-là, de cette expérience-là qui n'agglut ni zayer ni ash. Donc, justement, il faut du courage, de la mobilité et de l'intelligence. Et Wakin Yiwen a discerné Feririyin, donc les solutions, à la mesure de l'exigence des aspirations du peuple. Wined, Achidine, Varant Saïd Sadi, a mis une sorte d'une alerte. Wined, les Algériens, enfin, ils sont en colère. Ils sont impatients. C'est pour ça qu'il n'est pas c'est urgent justement d'y aller vers un débat profond, large et libre. Il n'y a qu'un justement l'État va s'effondrer. C'est une question de temps avec la situation économique dramatique et vu la situation aussi mondiale avec la pandémie, l'économie un petit peu déréglé en quelque sorte, il y a une sorte d'un dérèglement général, et donc on risque de vivre des situations dramatiques, et c'est pour ça qu'un débat profond s'impose. Et Saïd Sadi s'est posé justement à la fin de sa contribution, il ne risque vraiment l'inconscient de la complexité des blocages qui s'accumulent. Est-ce qu'on a évalué à sa juste mesure l'ampleur des efforts conceptuels organisationnels qu'il faut déployer pour éviter le naufrage? Donc Saïd Sadi, vous l'avez dit, c'est comme le Zahir Trouh, et c'est pour ça que justement, il a vers un véritable débat et donc lancer vraiment un débat sérieux, et même devant cette impasse historique, et oui, de ce système-là, Adderouh, et de mettre en place un autre système, c'est-à-dire par Saïd Sadi, il insiste sur la question de la transition démocratique et des préalables démocratiques. Il faut que Saïd Sadi, sa contribution, il n'est d'une chose sûre, la voix d'outre-tombe, Anzaz Nazir, d'Aben n'a jamais autant résonné dans la nuit algérienne. C'est-à-dire, à l'occasion justement de l'anniversaire de l'assassinat d'Aben Ramadan par Ferbaf Mboussouf, le Malg, donc ils veulent éliminer le père, on peut dire, de la révolution algérienne, le concepteur. Et donc il n'est pas à midi, mais elle a un zen n'abban, mais elle dans les esprits des Algériens, on peut dire. Et c'est pour ça justement l'intitulé de la contribution de Saïd Sadi, Abban ou Boumdian. Il retrace justement l'esprit d'Abban. Donc l'esprit de la Souma, ou le Khtarboumdianisme, le militarisme, les coups d'État, la violence, la force. Voilà donc les deux options. Et oui, d'un Khtariyoun, et Wakan justement. Ou bien de la solution, ça c'est responsable de l'esprit d'Aben, ou bien il va y avoir le militarisme, le Boumdian. Rakarachi, tu es tout ce qui est. Ça me fait que mal, qu'il y سيد ولين النار سوسكسين جيرون ذا شو تمسيرين إزمان نزوفا سيثاوة سكين دكتور سعيد سعدي Donc, je vais pas être arraché long, je vais être un peu bref, résumer l'essentiel parce qu'on a discuté déjà pas mal de fois
ces questions-là. Donc, à travers justement l'anniversaire de l'assassinat d'Aben Ramadan le 27 décembre 1957, donc après 103 ans, Mazel Adent, justement, le projet d'Aben est d'actualité et le congrès de la plateforme de la Soumam peut être une solution pour l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Et aussi, à travers déjà le titre, l'Algérie est à la croisée du chemin, ou bien l'esprit d'Aben ou de Boumdien. Et c'est pour cela qu'une transition démocratique s'impose, des préalables démocratiques s'imposent pour réellement passer d'un régime autoritaire, militaire, à un régime démocratique. Et selon la contribution de Sid Saïd Sadiq, on est arrivé à un fin de cycle historique. On ne peut pas fuir justement cette réalité qu'il fallait adopter et il fallait chercher d'autres méthodes de gestion, de lutte, etc. Donc, il faut reconfigurer tout pour installer un système réellement démocratique basé sur des valeurs universelles, sur des questions qui pourraient justement sortir l'Algérie de l'impasse historique de Taïch. Donc, c'est pour ça que sous ma thèse, l'esprit de Aben, l'esprit de la Soumam, et l'impasse historique mais moi personnellement je ne vois pas un mécanisme mais là justement on s'inspire pas réellement des textes fondateurs de l'État moderne algérien, c'est-à-dire moi personnellement je vois l'un des aspects en dehors de l'État civil et non militaire, c'est-à-dire la primauté du politique sur le militaire, mais aussi la démocratie, la laïcité, et un certain nombre de valeurs définies même dans le congrès de la SUMA. Je ne vois pas si on n'adopte pas ce chemin-là de la rupture radicale et d'enclencher, d'amorcer réellement un véritable débat autour de ces valeurs-là, je ne vois pas l'Algérie un mérite fort, Gilmahna, comme enseignement à partir de la contribution du docteur Saadi du 27 décembre 2020. إذي موث بومدين ذي بسقواس ثمانية وسبعين إسيان مليل ثواسي نظام أو ديني قيمة ثلوث